Parce que vous vouliez cette victoire pour valider un petit peu les matchs que vous aviez disputés sans victoire. Et en plus, c'est le derby, hein. C'est à Tours. Ouais, je crois que ça faisait très très longtemps que la BHL ne s'était pas posée à Tours. 26 ans. 26 ans. 36 ans. 36 ans. 36 ans. Je crois qu'on l'a. Voilà, je suis très content pour mes joueurs. Je suis très content pour le public de Châteauroux, pour tous les gens de Châteauroux, parce que je sais ce que ça représente un derby. Voilà, on a eu. Je pense qu'on peut mener rapidement 2-0, puisqu'on a, on est très bien rentré. Après, on a une demi-heure, par contre, très très difficile, où là, on est vraiment sous pression. Et puis, je pense que après, sur la deuxième mi-temps, on a été cohérent et j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, on était mieux que Tours physiquement. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a fait en récupération, tout le travail que tout mon staff a fait, j'englobe aussi les docteurs, les kinés. Et tous ces gens-là ont fait un travail formidable pour nous permettre de gagner le match sur cette fin de match. On sent un soulagement, même si le début de championnat on commence, mais cette victoire fait un bien fou. Hein. Oui, parce que je crois que sur les deux prestations à Guingamp, on a la possibilité aussi de le gagner. Contre Sedan, on fait une très bonne prestation. Ils sauvent trois fois sur la ligne. Donc tout le travail qu'on avait effectué pendant toute la préparation n'était pas validé par une victoire qui fait du bien au groupe. La première victoire à Tours, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Je crois que tout le monde a été présent. Les rentrées ont été déterminantes aussi. Je crois que Rémi, positionné, puisqu'il jouait que de ballons longs devant la défense, a été important. Et Maxime Bourgeois, qui avait été en dedans, je dirais, sur le plan défensif et sur le plan de l'agressivité, ben, nous donne la victoire aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce groupe est réceptif et ce groupe veut aller vers l'avant. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut qu'on continue.